Bonjour à tous, ici avec Agathe Psy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 6 sur Batman Arkham Knight. On s'était laissé là la dernière fois, après avoir fait une sacrée inspection en tant que détective, hein, puisque oui, Batman est aussi détective, hein, il est chevalier, détective, résolveur de crimes, etc. Donc c'est un petit peu son délire. Et c'est ça qui est cool avec ce perso, c'est que ce héros finalement, parce que ça change un petit peu des super-héros en fait. On peut pas dire que Batman c'est un super-héros, hein, c'est plus un justicier. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Donc voilà, c'est cool. Moi je kiffe. Allez. Oh. Vraiment, Batou, qu'est-ce que c'est bon d'être de retour. Gotham n'était pas la même sans moi, pas vrai? Ah, l'épouvantail le plus gros caïd de la ville? Oh, pas pour longtemps. Ok. Sérieux, il y a des tanks partout. Des petits, des gros. Je serais même pas surpris que certains s'envolent. Oh. Ah, t'as plein de points pour t'accrocher là. Okay, où dois-je aller? Ici. On est presque 10 fois plus nombreux qu'un mec. Ils vont regretter de ne pas être partis avec les autres. Qu'est-ce que c'est que cette tour? C'est gentil à vous de passer, Monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transmissions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant le réseau. Et l'épouvantail, au juste... Ça donne quoi, ça? Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Identité confirmée. Bonsoir, Monsieur Wayne. Chargement de la forme d'onde pour analyse. Non, j'ai assez attendu. Batman va mourir. Ce soir. Analyse des communications pour correspondance vocale. Localisation confirmée. Je l'ai. Le chevalier émet depuis le réseau souterrain de Miyagani. Ravi de vous être utile, Monsieur Wayne. Tant que vous êtes là, nous avons élaboré de nouvelles améliorations pour votre voiture. Dites-moi sur quel aspect nous devons concentrer nos efforts. Choisir une amélioration. Générateur des armes V3. Info amélioration. Ah, ça va vous plaire. Je l'ai programmé moi-même quand j'ai vu ce que vous deviez affronter. Le virus du drone pirate l'armement des tanks de la milice et les pousse à viser leurs propres alliés. Oh! L'amélioration du générateur des armes permet de surcharger les armes secondaires de la Batmobile. Pour une puissance de feu considérable. Ah non. Ça tellement mieux. Ah. Je vous contacterai dès qu'il sera prêt. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je serai là toute la nuit. Ce n'est pas comme si je pouvais quitter la ville de toute façon. Soyez prudent, Monsieur Wayne. Vous savez où me trouver. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagani. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. On est où, là?
immédiate. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud? Attendez que je sois sur place, à vous. Je ne veux pas gâcher la suite. Ok. J'ai perdu l'unité du jardin botanique. Alfred, je suis à l'entrée du tunnel. Ouvrez les portes. Juste un instant, monsieur. J'accède au terminal de sécurité du bâtiment. Alfred, il y a une autre porte blindée. J'ai besoin que vous l'ouvriez. Seigneur, je crains qu'ils m'aient expulsé du système. Ils savent que vous êtes là. Ne vous en faites pas, Alfred. Je trouverai un autre moyen. Ah. Avancer sur l'antidote? J'avance. Mais je n'ai pas de nouvelles de Barbara. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle travaille sur quelque chose pour moi, c'est vital. Mais elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas, Tim. Concentre-toi sur l'antidote. C'est très joker de ta part, mais je comprends pourquoi tu ne lui as rien dit après la réaction hystérique qu'a eue ce bon vieux Tim. Quand même, si tu tenais à Barbara autant que ton petit acolyte, peut-être qu'elle n'aurait même pas été quittée. Et à la base. Ah, ils sont maudits, votre. Comme toi et moi. Dommage qu'ils soient arrachés l'un à l'autre à cause de ta croisade. Récapitulons. Barbara a été enlevée. Soyons réalistes, elle est probablement morte. Tu mens au petit prodige amoureux à son sujet, et ce bon vieux Jim est parti en solitaire pour sauver la situation. Ok. C'est pas vraiment ton jour, Batou. Quelque chose te préoccupe? Allez, laisse Robin sortir de sa cage. Tu ne peux pas le réduire en esclavage à cause de ton remède. En plus, s'il se fait tuer là-dehors, tu n'auras pas à lui annoncer pour Barbara. C'est tout. Tu crois vraiment qu'il va régler ton problème de jokerité? Aucune chance. Je suis chronique pour
Tous. Et je suis récurrent. On sait tous les deux qu'il n'y a pas de remède pour moi. Et tu te rappelles quand tout était simple? C'était le bon vieux temps. Rien que toi, moi et une guerre. Résolvez les énigmes pour débrayer les concepts artistiques, dégrader le personnage des histoires de Gotham City, compléter une section de la carte de l'homme mystère afin de débrayer les fichiers audio des super-vilains de Gotham en train de planifier leurs attaques contre la ville. Ah, oh, il y en a peut-être un peu trop quand même. Ça, je le ferai pas à 100% le jeu, ça c'est mort. Hein. Regarde mais, autour de toi, Batou. Les choses sont... Oh, maintenant, il a sauté alors que je lui ai pas demandé de sauter. T'en vas rejoindre papa et maman au country club là-bas dans le ciel. Je lui ai jamais demandé de faire ça en fait. Jamais je lui ai demandé de faire ça. Ça fait combien de temps que t'es là-dessous? Une semaine. Ça fait un mois que je suis là. Un mois? Dans ce tunnel immonde infesté de rats? J'ai connu pire comme endroit. Sérieux? J'ai bossé sous couverture à Peñadouro. J'ai dû jouer les prisonniers jusqu'à ce que l'unité d'assaut attaque l'enceinte extérieure. Moi, ce soir, on va sortir. Où est-ce qu'il trouve tous ces trucs? Il a payé une base militaire. Il est riche. Ça a l'air de coûter cher. Tout ce matériel a été spécialement conçu pour abattre. Hé, hey, Batou! T'as vu ces mecs? Ils croient que Gotham leur appartient. Je l'ai arrêté, connerie. Ok. Ce type
dois mal te connaître, hein? Tu crois qu'on est coincé ici? Quel genre de futur super méchant croit pouvoir arrêter Batman avec une... et quelques tanks? Diamondback touché! La prochaine fois, c'est cuit! Ok. Ok. L'heure est venue de sauver Oracle et de faire payer le chevalier d'Arkham. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. On poursuit le chevalier. Il est là, dans les tunnels. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec lui. On va faire griller ça. Monsieur, le radar thermique ne détecte qu'un corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Je sais où elle est, Alfred. Il ne doit pas m'échapper. N'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Qu'est-ce que ça fait? T'es trompé de cible. Où est le chevalier d'Arkham? Ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Arrêtez! Je vais te venir. Arrêtez! Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North! North Refrigeration! Merci. Et
Alfred, j'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi ? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Lucius ? Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Oh, ça y est, les gars. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, les communications sont bien cryptées. Dois-je le bloquer pour éviter toute intrusion future ? Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'en apprends sur lui. Très bien, monsieur. Chassons un avion qui fonce vers Grand Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi aussi. Moi, je suis presque sûr de partir en guerre. Le virus brouille le système de reconnaissance ami ennemi. Il est infecté. Prendra 6 pour drone. 6 d'autres drones. Lorsqu'il est déployé à un niveau d'énergie élevé, le virus peut affecter plusieurs cibles. Oh. Chef, j'ai perdu le contrôle d'un drone. On pirate mes protocoles de commande. Envoyez des unités pour le TCP. Arrêtez-le. Batman a détruit un drone. Faites-le péter. Frappez fort, sergent. Je veux voir qu'il a tout froissé. Rattler, piraté. Ah ouais, ça s'infecte de partout en fait. Regarde, il les bute. Après, ils s'autodétruisent. C'est trop bien. Où il est passé ? Recherche dans le périmètre. Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ses véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier... Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si je trouve le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Apparemment marché ce que je voulais faire, mais frère. Alors, encore en train de rôder sur les toits ? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi ? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigos. Je pense qu'ils stockent les armes ici, à Gotham, mais la question est où ? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi ?
Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. À bientôt, Bruce. Ok. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabotage du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Où est le piège? Il n'y en a pas, tout a été payé. De quoi tu te méfies? Tu vas pas me dire que ça te plaît pas, des flingues gratuits. Tu ressembles au type qui a tué mon frère. Et toi, à celui qui a refait la tronche de mon pote. Est-ce que j'en fais toute une histoire? L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Si j'allais te le dire, c'est quoi ton problème? On bosse tous pour des tarés. Ok, je commence. Je me rappelle quand le pingouin nous a recrutés. Il s'est... La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. C'est vrai? Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. Récupérer ce qui lui appartient, ou tout rafler, et cette bouteille. Tu l'as déjà vue de près? Non. Comment ça lui est arrivé? Quelle tristesse. Des malfrats à la petite semaine qui se mettent à travailler ensemble. C'était pas comme ça, pourtant. On respectait les règles. Ok. Voyons. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Je ferais mieux de marquer le camion avant de surprendre les hommes à l'intérieur. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Que t'as oublié. Non, c'est Batman. Dégage vite de là. La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les doigts, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes caché du pingouin. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Mais qu'est-ce que tu fais? T'essayes de nous tuer? C'est Batman. Il faut qu'on se tire des ailes. Où est-ce qu'on va? On rentre à la planque. Non mais ça va pas. Ça filera tout droit à Cobblepot. Alors je fais quoi? J'entends pas de rouler. On réussira peut-être à le semer. Est-ce que tu le vois? Je conduis là. Ok, je le vois pas. Tu crois qu'on l'a semé? Qu'est-ce que j'en sais? Continue à regarder. Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer. J'ai entendu personne parler de Batman, moi! On l'a semé! Tant mieux. Retourne à la planque avant qu'il nous retrouve. J'y crois pas. On a réussi! Batman, tu parles. Complètement surfait. Même contre cet homme ferraille, il a rien pu faire. Ok. Personne. Ils m'ont mené tout droit au stock d'armes du pingouin. Ouais, c'est ça. Magnifique. Là, il est dessus. Pas, je l'ai vu! Par ici! Oh.
C'est fini, héros. Adieu. Ok. Mais je m'attendais pas aussi à ce qu'il y ait des ennemis ici, quoi, en fait. Qu'est-ce qui s'est fait au visage d'après toi? Qui? L'épouvantail. Mais bordel, tu m'écoutes quand je parle ou pas? Ah ouais, excuse, réfléchissez. À quoi? Un moyen de tirer ici. Regarde un peu, Gotham, la pire ville de toute l'Amérique. C'est pas si mal. Oh, arrête, regarde un peu mieux. Tu vois des trucs à sauver, là? Si ça tenait qu'à moi, je brûlerais tout et je reprendrais à zéro. Le chevalier lui a tiré dessus. Il aurait pu le tuer. Oh, ça a franchement perturbé Batman. Il est blessé. On peut se le faire, alors. Entendez ça? Ça fait de là-bas. Le toit était lourd de me regarder. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Ok. Je sais toujours pas ce que je dois faire. Je sais toujours pas par où est-ce qu'on entre. Mais elle est où l'entrée, putain? T'as voulu te mettre l'entrée, mec? Là! En plein milieu, là! Comment je rentre? Quelque chose, tu me fais un peu je boite là. C'est mais quoi, Batman? C'est carrément mortel, Cobblepot est en mémoire Dieu. Son espèce va bientôt s'éteindre. Ouais, on l'a semé, c'est terminable. Je vous l'avais bien dit. Il n'a même pas pu vous rattraper dans ce camion ridicule. On le surestime. Enfin bref, écoutez, j'ai quelque chose. Ça, c'est comme vous le savez, et ça me fend le cœur. On s'est associé aux autres femmes. Chut, ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. En
j'en ai plein. Je vous as. De la thune, les gars. Regardez ça. Des jolis petits. Ils sont sympas, pote. Ils sont tous à moi. Vas-y, sans pas, oh, bordel, c'est trop bon, mon gars. T'inquiète pas. Vas-y, renifle un coup. Tu auras les amis, c'est promis. La vache. Regardez-moi ça. Vous avez d'autres questions stupides du même genre? On fait quoi, maintenant? On attend. Continuez à fournir du gaz de carrière pour l'argent. C'est le pire. Je vais faire d'arrangement avec les mandats. Je crois même que je vais me faire plus que ça. Et Batman va bientôt suivre. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie du commissaire. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure. On dit qu'il va quitter Gotham. Ses dirigeables au-dessus de la West River, ils sont à lui. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les mecs. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. J'ai dû démonter la tête d'un seul... C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. De mon chemin. On est là pour te trouver. Ok. Tu veux qu'on dimanche tout ça? On a perdu le vendeur. Oh, je contrôle lui maintenant. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices, ici, qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minable. On est venu de lui régler son compte. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il faut que je ferme la chambre forte pour contenir l'explosion. Et qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive? Je m'en occupe. Tu veux que j'aille dans le train? Pas de problème. Je voudrais pas être à la place. Je dois m'éloigner davantage avant de déclencher l'explosion. Ok. Ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide. C'est ça. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique? Bien, monsieur. Ah!
Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, bateau. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais y arriver. C'est parti! Tirez! Feu à volonté, allez! Il est trop court. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Est-ce qu'on l'a eu? Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi. On a dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi... Les gens vont pouvoir approcher. Et quand? Depuis maintenant. Alors, on fait quoi? Attends de voir? Il est sûrement mort, de toute façon. Évidemment! Il est professionnel. Exactement. On ferait bien d'aller récupérer notre chèque et de se tirer de cette ville. J'ai hâte, je déteste cet endroit. Il pleut sans arrêt et ça pue en permanence. Ah, je sais toujours pas. Apparemment, il faut que je monte en hauteur. Ah, mais oui, le. Personnellement, j'aurais utilisé de vraies balles. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons. PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Ok. Ah bah écoutez, les amis, on va se laisser là. Pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, il aurait été un peu plus long que le précédent, parce que voilà, ça dépend des circonstances, etc. Je savais pas trop comment s'arrêter, mais... En tout cas, on se donne rendez-vous la fois prochaine, hein. Une fois de plus, il y aura eu 3-4 morts quand même dans cet épisode. Donc, ouais, c'est... Faut pas se faire mitrailler la gueule, hein, parce que apparemment Batman, il aime pas trop les balles, donc voilà. On essaiera de faire gaffe les fois prochaines, donc voilà. Sur ce, les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 6. J'espère qu'il vous aura plu, pensez au pouce bleu et à la prochaine, c'est Akanite. And see you next episode. Oh yeah.